Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rise of the Tomb Raider. Alors déjà, vous allez dire pourquoi j'ai 100% du jeu maintenant, alors qu'on était à, il me semble, 99% du jeu. Ben, il se trouve que quand j'ai fait la capture de l'avant-dernière vidéo, enfin de la dernière vidéo, j'ai eu un problème d'espace disque et du coup j'ai pas pu... pas vous proposer en fait la vidéo où il manquait la partie le 1% de la vallée, là où on avait la vallée géothermique. Alors dans la vallée géothermique, je vais quand même vous faire un résumé de ce qui restait à faire et qu'est-ce que j'ai fait, et comme ça c'est le point positif. Alors dans cette fameuse vallée géothermique, il nous manquait deux cibles. En fait, les deux cibles, elles étaient tout proches en fait du puits, là où on a le puits. Elles étaient surtout en hauteur, il faut bien regarder en hauteur, il y avait les deux cibles. Alors j'ai fait le trophée où il fallait se plonger dans le puits. Celui-là j'ai fait 4 trophées dans l'histoire. Il y avait donc celui où il fallait plonger, terminer tous les défis. Alors l'autre défi qu'il fallait faire avec les gourdes, en fait ce sont des citrouilles, il fallait les balancer dans des tonneaux. Il y a 5 tonneaux et ça se situe dans la partie, comment dire... Là où, où on traverse pour être dans, on traverse les marais, les bayous. Quand on traverse ça, et ben on se retrouve dans une nouvelle zone. Et c'est cette zone-là, cette partie-là en fait, qui a les tonneaux avec les citrouilles. Il faut balancer dedans pour terminer le défi. Et enfin, pour les cages de survie, il en manquait deux. En fait, c'était au niveau là où il y a le feu de camp avec l'infirmerie. Quand vous êtes là dans ce tombeau là, ou je sais plus si c'est un tombeau ou une crypte, il y a à l'entrée il y a de la flotte et c'est du côté droit de la flotte, il faut plonger sous l'eau et c'est là qu'on trouve le sac qui permet donc de découvrir où sont positionnées les deux cages de survie. Alors outre ça, ce que j'avais fait aussi, c'est j'ai continué d'attaquer les cerfs. Il me semble qu'il m'en manque que deux, mais j'ai pas débloqué en fait le trophée en question. Et sinon, j'ai fini le trophée, je peux vous dire le nom, Ranger Sibérien, c'est-à-dire le trophée qui dit remporter 15 affrontements après avoir terminé le jeu. En fait, quand il parle de remporter 15 affrontements, c'est-à-dire que vous devez battre chaque fois une équipe de bonhommes que vous rencontrez, d'ennemis, il faut les battre 15 fois. Pas juste un ennemi, mais le groupe en fait. Quand vous faites ça 15 fois, vous débloquez en fait le trophée Ranger Sibérien. Donc j'ai débloqué celui-là, comme dit, renouer ciel et terre, donc terminer le jeu à 100% dans l'histoire. J'ai fait donc avec les tripes, il me semble, non c'est pas celui-là. Le trophée avec le plongeon, voilà c'est ça. Et pour mon prochain tour, plonger dans le puits, hein, et donc voilà quoi. Le dernier, comme j'ai dit, c'était... le trophée des défis en fait. Quand vous avez terminé tous les défis, donc maintenant je sais pas où il est, comment il s'appelle. Je suis en train d'essayer de le trouver, mais c'est pas si simple. Voilà, c'est ça. Joueur invétéré, terminé tous les défis. Ah bien sûr, j'ai aussi augmenté toujours avec l'habit de spectre les 50 ennemis à battre. Là, je l'ai pas fini non plus ce trophée. J'en suis à 35 sur 50, il s'appelle le spectre de Sibérie. Alors celui-là, on va continuer en même temps qu'on fait le vallon, si on a des ennemis, on verra. Donc, parce qu'aujourd'hui, on va terminer la DLC, le vallon maudit avec la Baba Yaga. On va faire le truc à 100% aussi. Et une fois que ça c'est fait, on va continuer avec le manoir des Croft, ça s'appelle les liens de sang. Puis le cauchemar de Lara, et après il y a encore 3 autres trucs à faire en fait, qui est défi glacial. Donc ça, je ne sais pas encore lequel je vais commencer en premier entre défi glacial et défi d'endurance. D'ailleurs, défi d'endurance, il y a aussi une partie en ligne. Il n'y a pas que solo. Et autrement, à part ça, il y a le système d'attaque au score où il faut refaire toutes les missions pour avoir la médaille d'or. Du moins, si on veut débloquer tous les trophées. Et il faut refaire donc le jeu en survivant de l'extrême. Donc il y a quand même beaucoup de choses si on veut compléter complètement le jeu. En tout cas pour aujourd'hui, c'est parti pour la suite et fin du Vallon Maudit. On va compléter.
Ok, alors on est bien dans le vallon. Donc normalement, je pense que je me suis placé. Voilà, je me suis placé au tout début. Alors, ce qui nous manque, c'est le défi. Il nous manquait donc une, je sais plus c'est quoi, des lanternes, quelque chose comme ça. Comment ça s'appelait de nouveau? Alors, au-dessus d'un nid de coucou. Ouais, c'est des lanternes. Lanternes de sorcières détruites 9 sur 10. Alors la dernière, je ne sais pas où elle était parce que moi, la nacelle, on l'a quand même regardée des deux sens. On n'a pas trouvé cette fameuse lanterne, du moins moi j'ai pas trouvé la lanterne qui manquait. Relique, il y en a une, il faut la trouver. Document, il en manque 9, donc il y a vraiment quelque chose de bien caché quelque part. Cage de survie, il y en a 2 sur 6, donc on a quand même beaucoup de choses encore à faire. On est à peine à 60%. Alors ça va être parti, on va compléter, on va chercher. J'espère qu'il y a des ennemis pour compléter plus le trophée de spectre. Et le finir. Parce que je veux terminer ce trophée-là et terminer le trophée dessert avant de faire les autres DLC quoi. Ou de recommencer le jeu d'ailleurs. Hein. Il faudra recommencer aussi le jeu. Alors voilà. Alors on cherche. Pour l'instant on voit rien. Alors je me rappelle qu'il y a un parchemin qu'on n'arrivait pas à avoir. Du moins que j'avais pas trouvé. Comment avoir, je voyais à travers et je l'avais pas. Ah, il y a du chemin là. Là, on a une suite de passage. Et de l'autre passage, c'était quoi? Voilà, on va trouver et on va compléter. Ah mais ça revient au départ je crois. Non, ça c'est la suite. Ah, il y a les deux sens et ouais, il y a les deux sens et tout. Oh là là. Qu'est-ce que c'est facile de trouver les choses dans cette zone. Alors ça c'est pas une lanterne, clairement. C'est juste un épouvantail de la sorcière. Bah du coup c'est Lara en fait la sorcière, hein. Elle est bien habillée pour. Hein. Bon. En cherchant on devrait trouver ces fameux documents, etc. De plus on devrait. Ah là c'est. Mais ça c'est la suite effectivement, mais je chercherais plutôt si c'est vraiment plus rien. Alors en plus les cages de survie normalement elles brillent, ça se met pas avec l'instinct de survie il me semble. Hein. Donc on se retrouve avec un dilemme, c'est que d'un côté il nous faut l'instinct de survie pour trouver les documents, mais de l'autre côté il faudrait pas l'avoir pour les cages de survie. En tout cas il y a toute une zone qu'on a dû louper quoi, parce que bon. Il en reste pas mal, puis on a carrément loupé la relique, hein. C'est. Bon, il n'y en a qu'une, mais. Mais, hein, quand même. Hein. Alors, ouais. Bon, je sens pas qu'il y a quoi que ce soit là-dedans. Alors là, il y a quelque chose de côté, on dirait. Sur le mur, ça c'est le mur pour revenir en arrière. Et il semble qu'il n'y a rien d'autre. Il y a quelque chose qui brille à ce niveau de côté. C'est pas possible. Pourtant ça brille. Hein. Ah ouais, il faut tout refaire là ou ça c'est bon comme c'est. Ah je crois qu'il faut tous retaper. Et c'est là en fait que j'ai vu quelque chose, il me semble, à travers. C'est ici qu'on voit quelque chose à travers. Ah mais je me demande s'ils ont pas fait. Voilà, il faut. En fait c'est tout bête. Alors.
je suis honoré de me voir confier la responsabilité de superviser la construction d'un hôtel dédié aux apôtres au cœur du vallon. Le site se trouve à la limite de notre nouvelle cité, de l'autre côté du canyon. Les cascades naturelles et les sources géothermiques sont une excellente opportunité d'utiliser toutes nos connaissances pour créer un lieu de culte solennel et de réflexion qui honorera la mémoire des apôtres, mais aussi nos récentes avancées en matière de construction. Nous avons déjà dépassé l'Empire laissé derrière nous. Nous y serons demain matin, et nous bâtirons un hôtel en l'honneur de notre passé et de l'avenir de notre cité. De l'autre côté là, tout bête. Non, ça c'est qu'on a déjà pris la nacelle. Ah, il fallait que je remette les... J'avais fait quelque chose. Ah oui. J'ai mis la corde. Il fallait... Hop. Après, replacer de nouveau les deux... les machins de bulles, mais cette fois-ci en sens inverse. Il fallait couper ça. Sauter dans le bon sens. Ah, putain, Lara, qu'est-ce que tu nous fais? On va pas avancer de cette façon. Non, de cette façon, on va pas avancer. Ça c'est une question d'aller rapidement hein.
information. C'est plutôt facile. Alors, on voit pas cette fichue lanterne parce que c'est quand même bizarre. Hein. Là, on manque plus. Terminer le défi. Ah bon, où est la nacelle? C'est pas si grave. Tiens, d'ici, on voit une cage de survie, quoi. Là, ah, dommage, maintenant on a traversé, quoi. Mais là, clairement, on a une cage de survie qui se trouve juste ici. Faut pas l'oublier. Hein. Donc, est-ce qu'on voit les lanternes? On n'en voit pas plus. Parce que je cherche les. On va déjà ramener cette nacelle. Là, je me place mal, on voit. Waouh, ça fait brûler. Ah bah je crois que je peux même pas. Il semble qu'on peut même pas se placer pour la ramener la nacelle. Je suis obligé de prendre le truc. Ah bah c'est la meilleure quoi. La nacelle est de l'autre côté, je peux pas la ramener. Eh ben dis donc, faut retourner au plus de temps. Ouais, c'est pas cool ça. En tout cas, une cage de survie est apparue. On sait où elle est maintenant. Ah. Voilà, alors je vais la récupérer hein, et on retourne au feu de camp. Alors, on a aussi récupéré un premier document. Ça, c'était une première étape. Une étape. Voilà, alors on va au feu de camp de nouveau, on récupère la cage de survie, ça nous en fait 3 sur les 6. Il faut les 6 pour débloquer un trophée. Hein. Ouais, il y a un trophée qui se débloque quand on a les 6, c'est même pour les documents. Donc là, tout au loin, ouais, on la voyait, la cage de survie. Alors je regarde si déjà j'utilise pas la vision. On voit beaucoup plus clair les cages quand ça clignote. Pas derrière. Parce que des fois il les cache bien aussi. Hein. Bon après c'est quand même chercher une aiguille ça hein, dans une boîte de fond hein, les caches. Dans les zones. Hein. Le truc le plus facile. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas par là. Et là on a vu une cache. Ah bah maintenant j'arrive même pas à me souvenir comment on revient en arrière. Alors apparemment je viens de passer le passage, je vais pas de travers là. Pas de cache nulle part. On arrive au feu de camp. Et ok. On va à l'autre destination. Voilà. Bon, on va trouver, on va trouver. On a déjà en tout cas une cage de plus, un document de plus. Allez,
il va pas avoir une baba. Une lanterne de baba. Par contre, ils ont fait le mettre en hauteur, en méga hauteur, c'est pour ça que je la vois pas. La construction de l'hôtel continue. Nous avons décidé de le construire au sommet du vallon, en haut des falaises qui surplombent la rivière. Dans la partie basse du vallon, là où se trouvent les carrières de pierre, nous avons construit une nacelle pour apporter les cargaisons directement à l'hôtel. Malgré toutes nos réussites, je ne peux ignorer les mauvais présages. Le louveteau à deux têtes que j'ai trouvé mort dans la forêt, ou les bruits étranges qui se font entendre la nuit et que personne ne peut identifier. Et enfin, le premier meurtre dans notre cité. Nous pensions avoir perdu deux ouvriers dans l'écroulement d'un passage latéral, mais deux jours plus tard, l'un d'entre eux est apparu, délirant et recouvert du sang de son compagnon. La violence ne nous est pas étrangère. Mais je ne peux me défaire du sentiment que nous avons franchi un seuil invisible et interdit. Ok. On a trouvé un occupant. Pas ce que je cherchais directement, mais c'est sympa. Elle est où la manivelle de nouveau? Ah, il est là. Alors je pense que je vais refaire un tour. Parce que... ouais, je comprends pas pourquoi. Il y a une lanterne. Je sais pas pourquoi. J'essaie plutôt d'être de ce côté et après on va faire l'autre côté. Là, on dirait qu'il y a une cage de survie. Là, ben, non, c'est pas possible entre les trucs qu'il y a une cage de survie. Pourtant, ça brille. Ça brille, brille, hein. Ah, ben, ça brille un peu partout sur. Bah, c'est la neige, hein. Je pense qu'ils ont fait ça pour la neige. Ça n'a rien à voir avec les fameuses caches. Ouais, on voit rien de ce côté-là en tout cas. Là, on est arrivé au bout, il semble. Ce côté-là, je vois que. On voit surtout des arbres, rien d'autre. J'ai l'impression qu'elle est là dans la lanterne. Donc on l'a loupé plus loin, c'est bizarre quand même parce que bon, la plupart des lanternes se trouvaient ici, alors que la dernière se trouve ici, c'est quand même curieux quoi. Bon, on va refaire dans l'autre sens, très bien.
Ah, elle est la nacelle. La lanterne. Elle est bien ici. Dans ce trou-là. Là, je peux plus la voir. En tout cas, je l'ai vue. Maintenant que je sais qu'elle est ici, on va terminer le défi et donc un trophée en même temps. Par contre, on va perdre pas mal de temps parce qu'il faut refaire l'aller-retour. Attends, j'étais de ce côté-là avant, mince alors, je la voyais pas, quoi. Elle est là dans le trou, la lanterne. Là, elle apparaît, mais on peut pas la, on peut pas l'atteindre. Voilà. Une lanterne de Vassilia, ou quelque chose comme ça, pour le vérifier. En tout cas, c'est fait. Je crois qu'il y a marqué Vassilia. Mais... je vais juste vérifier. Comment on appelle ça, les lanternes de quoi? Voilà, les lanternes de Vassilisa. Ouais, Vassilisa. Vassilisa. Terminer le défi dans le volant module. Ouais, il est fait. Maintenant, ce qu'on n'a pas terminé, ce sont les documents et les cages de survie. Et il manque aussi une relique. Ah ouais, faut pas oublier, il y a en plus une relique. Quoi. Aussi une relique, on ne va pas oublier ça. Reparti dans l'autre sens. Alors, juste pour faire un constat, on a effectivement trois cages de survie qui manquent. Ça, ça va être pas facile à trouver parce que. Ouais, enfin, on va les trouver quand même. On en a 6, 7 documents. On a une relique. Ok. Donc là, on a avancé d'à peine 10%. Hein. Alors, on va trouver les documents. Il y a beaucoup de documents. C'est assez bizarre qu'on ne les trouve pas comme ça. C'est très curieux. Bon, la relique, il n'y en a qu'une. Ok. Bon, et les cages de survie, forcément, ça, c'est pas aussi facile que. En tout cas, on va finir. J'espère qu'ils ont remis des ennemis, comme ça on peut avancer un peu le trophée aussi avec la mine du spectre. Si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est bien parce que après, quand on aura fini les choses, bah, il faudra que je fasse une vidéo à part avec les deux trophées pour les cerfs. Donc il y a plus grand chose qui manque, je crois que deux cerfs, ils manquent, ainsi que les ennemis. Donc ils vont tuer un assez grand nombre. Je sais pas si ça marche dans le manoir. D'ailleurs dans le manoir il devrait pas avoir d'ennemis. Ce serait pas cohérent. Donc non ouais, il faut le faire à part quoi. Il manque quelques-uns des ennemis à battre avec la tenue. C'est qui manque. Ah, elle est toujours là, elle.
J'ai arrêté toutes les cuves. Tu peux explorer l'endroit sans... tu sais, devenir folle. Je compte bien explorer. On ne peut pas être passé par là. Ouais, clairement pas. Il y a un document. Il y en a même deux. Il y a eu une révolte. Une bombe. Les natifs, les ennemis de mes ennemis, se sont insurgés et ont frappé, comme nous l'avions toujours espéré. Ivan et notre fille auraient pu être libres, mais au lieu de ça, ils sont morts. Tués par les seules personnes qui auraient pu nous sauver. Ces lâches de soviétiques qui sont avec moi dans le vallon disent qu'il ne reste plus rien, que nous devons attendre les secours. Ils disent qu'ils me protégeront, mais ils ont peur du noir, et les provisions diminuent de jour en jour. Personne ne viendra nous sauver. Je vivrai, et mes ravisseurs périront. La survie est la seule vérité de ce monde. Ils sont très superstitieux. Je vais glisser du pollen dans leur ration. Et lorsqu'ils ne seront plus que des coquilles vides, je leur montrerai mon nouveau visage. Quelque chose qui les effraie depuis l'enfance. Baba Yaga. La femme serpent, la sorcière. Ils mourront en hurlant de terreur. Ils méritent bien pire. Si je ne peux pas vivre libre, alors je survivrai seul, dans les ténèbres, jusqu'à retrouver Ivan et notre enfant dans la mort. Ok. Alors, on a un document de plus. Il me semble qu'il y en a même deux. Non, c'est... ah non, c'est la relique, je crois. Là, ça a l'air d'être bouché. Ah ben, il y a une suite, là. Ça, la voit là, mais ça, je crois que c'est la relique. L'arme de Baba Yaga, c'est une faux, mais elle a été arrangée pour ressembler à un balai de sorcière. Tout ce qu'elle faisait servait à préserver le mythe. Ok. Il n'y a pas d'autre... ah bon, on peut monter, il semblerait... ah bah dis donc, il y a un passage et on peut monter. Il y a tout un chemin ici. Ah d'accord, ça nous remet ici. Alors je vais redescendre. Je ne peux pas redescendre là-bas. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle bug. Je vais aller par là, moi. Ah d'accord, on revient ici. Ok. Mais il manque beaucoup de choses, quoi. On a... la relique en là maintenant, mais il nous manque quand même 6 documents, c'est beaucoup, et 3 cages de survie. Tout ça, c'est très 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 curieux qu'il manque autant de choses. Donc là, on vient par là. On vient par là. Arroser le sol et cultiver les fleurs de rêve. Personne n'entrera et personne ne repartira. Je ne supporte plus le monde extérieur. Ici, enfin, j'ai le contrôle. Complètement barge du coup. Enfin bon, vu ce qu'elle a subi, hein. Oh, on va pas trop vite là. Ok. On va en trouver d'autres. Non, ça c'est pas... c'était du bois. Il en manque tellement des documents.
Là, je crois que j'ai vu une cage de survie, effectivement. Là-bas, au niveau des deux trucs, il y a une cage de survie. Mais à part ça, je comprends pas où sont tous les documents qui doivent y être. Pour la cage de survie, il faudrait redescendre. Si je saute, je meurs à tous les coups. Oh, puis zut, hein, je serais presque chaud à sauter, quoi. Ouais, ça on disait que ça marcherait pas. Bon, on va retrouver le niveau là dans la flotte. J'ai trouvé une des caches. C'est pas grand chose là. Vu tous ceux qui manquent. Et j'en ai déjà trouvé deux comme ça sans même avoir besoin de ça. Je sais où elle est quand même. Bon, mais maintenant elles sont apparues hein, normalement. Il y en a une qui est vachement bizarre. Elle est carrément en dehors du truc. Et l'autre, c'est celle-là qu'on avait déjà vu. Difficulté va être les documents qui manquent. Ah bah, si on a un passage ici, on va peut-être trouver des trucs intéressants. Vide et il n'y a rien, mais par contre on peut monter à deux endroits là. Ah, il y a un document qui est là. Alors, je sais pas comment on y va, mais il y a un document qui est là. On peut y aller. Non, elle arrivera jamais là comme ça. Oh la vie, elle est où, là. Quand je suis dans la flotte, on dirait que je suis dans la flotte de l'autre. Ah, ça c'est la meilleure où on peut pas remonter sur les lignes. On peut se marcher. Si on essaie d'aller sous l'eau, ça marche pas. Pas où il y a la cache, si si. C'est là où il y a la cache. J'ai arrêté la construction à l'hôtel et demandé aux ouvriers de préparer le départ. Nous aurions dû partir il y a des semaines pour demander l'avis des sages de la cité. La violence s'est accrue. D'abord lentement,
et je l'ai donc attribué à la tension, à la pression de réussir. Mais je ne peux plus nier qu'il y a quelque chose de maléfique dans le vallon. Il se nourrit de notre côté sombre, nous rend vulnérables à nos pensées les plus noires. Hier, un jeune tailleur de pierre m'a annoncé qu'un échafaudage s'était écroulé, arrêtant le travail pour la journée. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, mon assistant m'écartait du jeune homme, inconscient et recouvert de sang. En me lavant les mains, j'ai retrouvé un fragment de ses dents enfoncé dans la peau de ma main. Je ne me reconnais plus. Il est temps de partir. Au-dessus. C'est même pas au même endroit, quoi. Vas-y, tombe. Ouais, super, on n'a pas trop le choix, il faut monter. Ah non, je crois que ça c'est un document. Oh non. Ok. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux tout recommencer à remonter. Je crois que cette partie j'ai déjà vu. Zut, comment on remonte tout en haut vite fait? Là il y a... Ah bah c'est ça, je vais tout. Alors on remonte par là, c'était l'endroit où on a monté. Et qu'est-ce que c'est là? Alors, hop hop hop. Voilà. Voilà, c'est pas cette zone qui semble intéressante. Ça sent pas celle-là. Ok, non, non, c'est du bois. C'est pas ça qu'on cherche pour le moment. Là, il y a une fente, on devrait avoir quelque chose. Là, je voulais traverser après le blocage ici. Il y a. Je me parle à moi-même pour entendre une autre voix. Elle comble le vide et fait passer les heures. Mais je n'ai rien à dire. Lorsque le silence m'accable, j'essaie de dormir. Je rêve de ce que j'ai perdu. J'espère que dans la mort, ils ont trouvé la paix. J'espère que mes rêves ne sont que des mensonges. Ok, on va avancer. Alors, il en manque 3. Vous les trouvez. On a vu ce trou là, je sais pas si on était passé dans ce trou là. Ça revient au point de départ. Là je suis en train de me demander. Donc là il y en a un apparemment, un passage, et on peut monter en haut. Et effectivement de l'autre côté du truc il y a encore quelque chose ici. Oh, putain, ça tourne leur angle, c'est quand même assez. Voilà, ce que je me demande c'est ici. On était déjà là. Ah ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, donc on revient en arrière. Et on va monter plus haut.
pas ici, je pense. Voilà, que je voudrais aller pour le moment. C'est ici qu'il faut aller. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est monter par là. Donc, la cache, elle devrait être. Elle est où la cache? Voilà, c'est là où? Là, si je comprends bien, on peut monter encore plus haut. C'est vrai qu'on saute là-dessus? Waouh! Là-dessus, mais maintenant il faut encore monter plus haut. Et de là-haut, on devrait donc avoir la cache, ça c'est sûr. Et trois documents. Je suis pas sûr qu'il y a trois documents là-haut. Ah, bon, en tout cas, ils sont quelque part. Hein. Là, c'est une facile. Hein. Là, on dirait qu'il y a aussi un mur qui est fermé. Donc, il semble que c'est là qu'il faut aller. Oui, j'ai pas vu qu'elle allait monter, quoi. C'est quoi une carte, ça? Moi, je crois que c'est une carte. Ah, peut-être qu'ils vont nous donner les emplacements des documents, ce serait bien parce que sinon on cherche. C'est bizarre ça. Ouais, c'est vraiment un gros bizarre, non. Là, la cache qui manque, quel succès. Voilà, les bouteilles de la sorcière. Et un succès de plus dans ma collection. Je crois que je me rapproche de la moitié. Ouais, seulement la moitié, hein, parce que bon, il y a quand même tellement de DLC qui ont fait tout plein de trophées liés. En fait, on est loin d'avoir terminé, quoi. Alors, j'espère qu'il y a cette carte. Ouais, super, ça donne effectivement les documents. Il en manque 3. Ah, il y en a un là-bas. Bah dis donc, par contre, ce qu'il y a, c'est que ces documents sont chaque fois en dehors des zones. Ouais, bon, il va falloir les trouver. Ça dit que c'est plus haut et que c'est à l'autre côté, hein. Là-bas, ok. Faut remonter encore. Bon, bah, on va être bientôt à la fin de cette zone, du coup. Ouais, pour remonter là-haut, il faut faire quoi? D'ailleurs, c'est assez curieux pour monter là-haut, parce que, bon, on est... C'est curieux quand même. Ok, c'est là. Mais est-ce qu'on peut monter ces engins ou pas? Parce que je vois pas comment on peut faire autrement.
Il y a ces trois engins, ils sont montables ou pas? C'est comme si on devait faire un genre d'escalier ou je sais pas quoi. Ah, la question, qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vais peut-être récupérer. Ah bah celui-là, je sais pas non plus comment on va pouvoir le faire. Il est simple, il est bien caché aussi. Alors ouais, il serait plus bas. Oh là 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 là, c'est sympa si ça. Là on est là. Maintenant le document serait par là. Non, il serait par là, à ma dire. À peu près comme ça. Mais on peut pas aller par là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là on est dessous. Bon, si déjà on est là, on va déjà récupérer l'autre. Par contre, ça semble pas si évident que ça. Je vais déjà récupérer l'autre. Comme ça, j'ai pas celui-là dans la tête. Il n'y a pas d'ennemis en plus, c'est dommage. Ok. Alors d'ici, le document se trouve ici. On arrive, vite, vite, vite. C'est par là ou pas? Qu'est-ce que c'est que ça là? Je suis carrément sorti. Si je suis là, je suis sorti. Bizarre, bizarre. Ivan, je pensais que ce serait simple. La plupart de ces brutes puantes prennent ce qu'ils veulent aux prisonniers. J'avais choisi Ivan parce que je croyais qu'il céderait. Mais c'est pire que ce que je croyais. C'est un homme bon. Il déteste cet endroit tout autant que moi. Ça ne veut plus rien dire quand je pense qu'il mange et dort bien. Mais il a un sens moral, contrairement aux autres. Cet endroit le dégoûte. Il connaît son rôle et il le déteste. Je l'ai surpris en train de se rebeller, quand il pensait que personne ne le regardait, pour calmer sa culpabilité. Je lui ai dit que ce n'était pas assez. Je lui ai appris à en faire plus. Nous avons bien travaillé ensemble. Nous avons préparé notre évasion. Mais il est trop tard. Je suis enceinte. Nous sommes condamnés. Ok, alors là... Ok, alors on va tout remonter. En tout cas, on a un document deux mois à trouver.
On est de retour. Alors, nous avons nos deux documents qui sont pas si simples à récupérer. Celui-là, il doit être dans un passage. Peut-être un truc sous l'eau. Peut-être un coup comme ça, de nouveau. Et l'autre, ben, il est en hauteur. On est tout proche. Ah, d'ailleurs, je l'ai trouvé par hasard. Je suis le dernier. Il y en a d'autres, des spectres qui hantent le vallon, mais ils n'ont plus rien d'humain. Leurs visages me sont familiers, et ils crient à l'aide avec les voix de mes amis morts. Mais je ne croirai pas à leurs mensonges. Mon épée les tient à distance, ou elle les fait taire s'ils ne cessent pas de crier. J'ai essayé de nous mettre en sécurité, vraiment. Mais quelqu'un a fait effondrer les passages qui menaient à la cité. Lorsque nous avons compris qu'il n'y aurait pas d'échappatoire, nous nous sommes dressés les uns contre les autres. Désormais, un fou portant un arc est perché au sommet du vallon. Et il abat les oiseaux messagers que j'envoie pour demander de l'aide. Les spectres reviennent, plus nombreux que jamais. Personne ne survivra à ce vallon. Et c'est peut-être mieux ainsi. Que ces derniers mots servent d'avertissement. Ok. De l'autre côté, alors il n'y a plus qu'un document qui tient en hauteur. Je me demande si c'est pas lié à un mécanisme pour avec les. Ça s'appelle là, les engins, là, la gomme. Comme s'il faisait une nouvelle balance. Voilà, c'est trois engins d'ailleurs. Moi je crois qu'ils sont liés au fait de. Mais attendez, oh, putain, c'est curieux ça. Pourquoi ils sont ici? Par rapport là, par rapport là. Et là, je peux pas remonter. Là. Je peux monter ici. N'empêche que le truc il était. Non, il était pas là. Parce que si c'est la zone où il faut. Là, je me demande. Ah, mécanisme. Mais où il est sur elle, le mécanisme? Moi, je pense que c'est peut-être ça, un mécanisme qui nous permet de. D'activer cela. Cela il tourne. Ah mais il y a une bobine dessus. Ah bah c'est ça. Il y avait une bobine à l'intérieur. On n'a pas essayé du tout d'attirer.
Mais ouais, il y a une bobine. Et c'est ça qui doit être lié à la clé. Mais pour l'attacher où? Ouais, il faut l'attacher à quelque chose. C'est ça la clé. Allez, c'est tout bêtement. Ça, c'est pas un poteau, logiquement. On va essayer, on sait jamais. Non, mais là, la clé, elle est ici. Ouais. Je suis sûr que c'est lié à ça. Je sais pas où est le... Et la bobine pour attacher où? Faudrait juste savoir où elle s'attache, quoi. Attends, y a rien d'autre qui est proche, et ça doit être tout bête, quoi. Oh putain, j'aimerais bien terminer là. Ça y est, je bug de nouveau. Ouais, c'est dommage de... C'est quoi le truc qui brille? Ah ouais, mais ça, on s'en fout. Bobine, c'est la clé, c'est certain, presque certain. Mais elle s'attache où, la bobine? Y'a rien d'autre, c'est fou. Oh putain, bien donc il dirait que c'est vraiment que de l'autre côté que c'est possible. Voyons, qu'est-ce que... Pas y accéder avec ces classes, c'est beaucoup trop loin. Pas non plus de poteau pour l'attacher, c'est assez curieux. Ah.
pas mis de poteau pour l'attacher. Ah bah dis donc, il y a un truc. Ça c'est certain. On peut voir la bobine seulement plutôt de ce sens là. Pour moi c'est difficilement visible. La bobine est un mécanisme. Et celui-là il marche parce qu'on l'a activé. En fait c'est ça pour visible. Il y a un truc à activer quelque part qui n'est pas activé. Une manivelle qui serait pas active et qui empêche donc le truc de tourner. Plutôt ça, une manivelle qui n'est pas activée. Mais comment je la trouve? Pas du tout là de mécanisme de déclenchement. Ben dis donc. Ah je suis presque sûr que c'est ça, il doit avoir un truc à activer quoi. Lutte, lutte, lutte hein. Moi, je crois que c'est un mécanisme qui s'active, mais qui est je ne sais pas où. Non mais c'est pas avec elle. Si je peux ouvrir les fourneaux ça.
Ça, ça fait que j'ouvre les points. Et d'ailleurs, on peut plus les ouvrir. Mais alors, comment ils veulent qu'on accède à votre endroit? Ça, c'est un mur en plus à gripper. Pas un mur non plus. Non. Chercher par contre un peu beaucoup oh, c'est tellement loin et non à faire. J'ai juste récupéré mon document, moi j'ai enfin fini 110% du coup. Oh là, en plus ça dure seulement un bout de temps. En plus, ça ne dure pas longtemps. Et de ce côté-là, on ne peut pas le faire. Oh là là. En plus, c'est limité dans le temps. Elle a déjà lâché quoi. Ouais, c'est quand même bizarre ce chemin tellement long. Mais en tout cas, ça, un mécanisme, s'il est attaché, il monte. Ah, je vois. Oh, purée, ils abusent. Oui, c'est pas par comme ça qu'il faut faire. Je sais qu'est-ce qu'il veut que je fasse. N'empêche que c'est abusé, quoi. Pas aller par là. Ok, alors alors faut que je réfléchisse. J'y suis tout proche. Ah putain, mais ils ont une telle énigme à la fin quoi. Il est trop haut pour passer par là quoi. Donc c'est l'autre monde. Il monte celui-là. Mais même comme ça, celui-là, il est là.
C'est pas suffisant pour aller. J'arrive pas. Si on arrive. Donc avant, quand je suis tombé, c'est parce que j'étais mal mis. Ouais, mais quand même, c'est le deuxième qui monte. Waouh, ah, ça va. Ouais, la truc, c'est pas éclatant. Pas en plus, c'est la clé qui fait une ronde. Oh là là, c'est pas de la tarte. Tout ça pour le dernier document. Mais revoyons un peu. Je vais monter par là. Mais les trucs ils montent au deuxième quoi. Là c'est le deuxième qui monte, ça permet de sauter là. Est-ce que ça permet de sauter dans l'autre? Ouais, ça devrait. Ouais, bah c'est ça quoi. Il faut juste arriver à bien sauter et assez rapidement pour le timing. Oh là là. Celui-là qui est le plus bas, il vient de passer quoi. Ah. Ah, est-ce que les autres n'arrivent pas à remonter quoi. Voilà, donc il est redescendu. En plus de ça, il faut que ce soit le bon. Ah, parce que sinon, effectivement, on peut arriver à être ici. Tac, 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 là, sauter. Et ben, dis donc, hein. C'est pas quelque chose, hein. Ah là là, ça va pas être facile les gars, hein. Ça, ça pour un document quoi. Ouais, je pense que c'est ça le truc, mais c'est pas facile. Celui-là. Ah là 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 là.
j'aurais pu au moins éviter de remettre des plus hauts, des plus bas et des trucs comme ça. Au moins j'aurais pu. Parce que là c'est de la vue quoi. Ah bah mince, il est déjà en bas. Oh là là, c'est vachement dur quoi. Vraiment bien finalisé quoi, vraiment. Là, je vais pas avoir d'aide, c'est pas une. Pourtant, je suis presque sûr que c'est ça quoi. Plusieurs fois ça. Oh bah c'est juste encore en plus bas. Ça, je vais pouvoir recommencer à faire 5 fois. Et oh là là, vite vite vite. On va y arriver cette fois-ci. Mais bon, c'est un sacré bordel quoi. Parce que sinon je vois pas comment il faut faire quoi, à part avec l'histoire du. Ouais, ils auraient pu éviter le timing quoi. C'est vraiment pas cool. Ça c'est pas cool quoi. Oh là là, tout ça pour le dernier document. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est trop tard. Oh. C'est trop tôt. On va plus le faire plus tard. Voilà. On verra. Ça va donner.
Ah, déjà, il faut que j'arrive à recruter, vu que là, en général, j'ai du mal à le faire. Et oui, j'ai encore un peu. Zut. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, je vois même comment je peux faire, mais. J'ai pas encore réussi ça. Hein. Pas encore ici, mais je vais mieux. Combien de temps je vais encore mettre à essayer ça? Ah, dire que j'y étais presque. Chaque fois je tombe dans l'autre plateforme, là, ça va. Facile avec la caméra qui tourne. Ah, mais flûte, flûte! Je crois que je vais le mettre de l'autre côté. Mais sinon, je pense qu'au niveau du temps, je pense que je peux l'optimiser. Vu ce que j'ai fait, ça devrait aller. De la façon que je fais. Il me reste plus qu'à arriver à faire le saut. Plus que tu as de besoin. Putain, mais ils ont quand même fait un sacré bordel quoi. C'est loin d'être facile. Alors on regarde, c'est pas celui-là. On voit qu'il passe. Et on a en plus pas de stress, c'est largement le jeu. Voilà, c'est complètement. Ouais, ben, avec ça, on arrive à prendre le temps, on est encore un peu plus sur le coup. Ça semble correct. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est le premier truc qui va être le plus proche du machin. C'est ici, c'est ce côté-là. C'est de ce côté-là, je crois, qui va être le plus proche du truc. Oh purée! Qu'est-ce que je fais? Là j'ai essayé. Mais sinon direct le temps, il y avait largement le temps. Il y avait largement le temps de monter de. Ah là 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 là. Bon là on attend qu'il repasse. Quand il est sorti, on peut le faire. Ça sent très bien. Maintenant. Ça sent pas mal, ça laisse assez de temps. Oh là j'ai même pas réussi à sauter sur le. Ah bah ben là. Ah bah ça c'est quand même vachement lourd. Ah on va y arriver les amis, on va y arriver. Ah, je vous le dis qu'on va y arriver. On va pas se laisser faire par ça, surtout ce dernier truc. Pour finir cette DLC, après on passe à. Il y a deux trophées que je vais finir justement, avant de passer au lien du son. C'est-à-dire le manoir des corps. Là, on est dans le manoir. Mais pour l'instant, on reste bloqué avec la Baba Yaga. Baba Yaga. Oh là là, quel baba, hein. Est embêtante un petit peu. Hein. Alors là, je commence à faire vraiment, je sais pas quoi, ça se voit que ça fait X fois que je recommence et que je commence à en avoir un peu jusqu'en haut. Hein. Jusqu'en haut, ça va pas. Alors, il est où? Il est pas, il passe, il passe, il passe. Pourquoi il passe? Pas, pourquoi j'ai un genre de zoom maintenant? En plus ça a bugué. Alors maintenant je cherche le niveau où il faut que je me place. Je me place à peu près ouais, comme ça peut-être. C'est pas facile de savoir où il faut bien se placer, à quel moment je suis le meilleur endroit.
Non, mais c'est pas vrai, quoi. Il y en a marre, je l'ai déjà fait, je sais que c'est possible. Je l'ai déjà fait, je sais qu'on peut le faire. Je crois que j'y arrive encore une fois. Maintenant que j'ai plus le problème du temps, normalement, je pense que... Comment j'ai optimisé, c'est bon. Mais... Vas-y pour faire le saut. Ah là là. Encore une fois, normalement, pour un document. Je vais y arriver à la mort. Je vais y arriver. Alors là. Celui-là, c'est pas un problème du tout. Et voilà, on est. C'est honteux. C'est honteux. J'ai jamais. Wow. Wow. Non, 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 pas de bug. Merci. Oh là là, qu'est-ce qu'ils m'ont embêté avec ça. Je pensais avoir survécu pour tourmenter mes bourreaux. Mais désormais, je pense avoir survécu pour me tourmenter. Ce n'est pas une vie qui mérite d'être sauvée. Aucune vie ne le mérite. Il y a des gens dans la vallée. Je vais leur montrer que cette vie ne vaut pas d'être vécue. Vengeance, c'est pas bien ça. Ok, et ben voilà, j'ai fini. Alors, c'était difficile ce dernier point. Hein, je vais mettre. Et là, on peut même pas sauter parce qu'il n'y a pas de flotte. On peut sauter ici à la limite. Hop, voilà. On va sortir. Et ben on a fini. La prochaine fois, ce qu'on va faire, on va juste terminer deux trophées. Le trophée avec la combinaison des spectres. Parce que c'est commencé, hein, c'est que les serres. Il ne me reste que deux serres dans l'histoire, vu que, comme dit, j'avais continué ça. Donc il n'y en a plus beaucoup, en fait. Et on va enregistrer ça. Et ensuite, voilà, clairement, on va passer au lien du sang dans le manoir. Voilà pour cette vidéo. On va juste. Est-ce qu'on peut acheter des trucs ou pas? Non, mais bon, de toute manière. Non, c'était juste, on avait un truc dans un fusil. Mais bon, tout ça, on n'a pas besoin en fait pour terminer le jeu. Pour terminer les trophées, on en a pas besoin quoi. Ouais, bon, surtout, chaque fois des pots, mais bon. C'est pas important. Ok.
Alors on s'arrête ici avec Baba Yaga qui finit à 100%.